Et re-YouTube pour la suite. Oh, vous avez vu, c'est comme ça qu'on cut des VOD pour la chaîne secondaire. Et oui, c'est comme ça qu'on fait. Hop, en une seconde. Du coup, voilà. Donc, bah, bonne soirée à toi, Doudouis. Y a pas de souci, tu reviens quand tu veux. T'es toujours le bienvenu, comme d'abord. Remets-toi bien, surtout, évidemment, à ton cœur, vu que tu t'es fait opérer. Mais merci pour tout. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, et puis, ouais, je le garde pour le live. C'est pour ça que j'ai jamais fait, parce que quand je l'ai acheté le jeu, je me suis dit, je le ferai en stream. Ça fait 3 ans que j'ai acheté le jeu. Ça fait 3 ans que j'ai dit que je vais le faire en live. Ça fait 3 ans, hein. Ouais, ça fait 3 ans que je dis ça. Comme ça fait 3 ans que je dis en live aussi que je vais passer mon permis, par exemple. Et ça, vous pouvez en être témoin, hein. Ça, il y en a beaucoup qui en sont témoins, quand même, hein. Ce que tu peux faire pour le faire, c'est trouver des filons de blocs de fer. Tu trouves majoritairement les filons dans la teuf, hein. Ah ouais, c'est la teuf de ouf, hein. Il tire à ton. Ouais. Ouais. Bah oui, c'est vrai. Je passe juste pour te dire que je suis en train de rattraper toutes les rediffs de live pour enfin suivre sur Twitch. En gros, j'ai les yeux qui piquent, hein. Tu m'étonnes, Arthur, tu m'étonnes. Oh là 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 là. Tu devais pas apparaître dans une vidéo d'un youtubeur qui commence par N. Si, et c'est jeudi. Displot. C'est jeudi, donc Si, c'est jeudi ou vendredi, là. C'est pour ça que vous aurez une autre vidéo d'ailleurs jeudi ou vendredi, parce qu'il y aura une petite OP dans la vidéo de jeudi ou vendredi, mais je sais pas, je prie pour que ce soit vendredi, parce que jeudi sinon c'est la merde pour moi. Parce que déjà il y a une vidéo mercredi, donc s'il y a vidéo mercredi et jeudi, c'est la sauce, hein, mais bon, on verra. Parce que je sais pas trop comment je vais faire. Mais bon. Parce que je sais qu'il y a une vidéo mercredi, c'est sûr et certain, mais après on verra. Oh, il y a du Minecraft, je vais aller voir un petit peu. Mais bon, on verra bien. Je te jure que tu fais le Zelda en live, je balance en seul. Ah non, mais je vais le faire de toute façon, Doudouis. Enfin, je vais le faire, hein, c'est sûr et certain. Je vais le faire et je pense que ça va être... tu sais, j'attends un petit peu là que tout ça passe là. Et puis dès que je sentirai que j'aurai plus rien à faire, parce qu'en vrai là, j'ai un truc vraiment à organiser, etc. T'sais, en ce moment, j'ai plein de trucs qui me prennent beaucoup de temps. Et en fait, j'ai pas envie de commencer un let's play et m'arrêter, tu sais, au bout de 2 jours. Parce que hop, j'ai plein de trucs à faire et du coup, je peux pas le continuer, tu vois ce que je veux dire. Donc en gros, je le continuerai. Enfin, je le ferai vraiment quand je sens que niveau timing, je suis prêt. Mais je vais le faire en live, ça c'est sûr et certain. Ça c'est sûr, et dans 2 mois maximum. Donc voilà. De toute façon, l'année elle est bientôt finie, là il reste 2 mois, donc ça arrive vite, hein. Honnêtement, vous allez voir, ça va arriver à une vitesse cette histoire là. Ça va arriver à une vitesse la fin d'année. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver, de projets qui vont arriver pour la fin d'année, donc ça va être sympa. Vous aurez des belles petites annonces vers décembre, j'espère. Il y a moyen que vous ayez, ouais, des trucs... Putain, il m'a fait trop peur, lui. What the fuck, un creeper peut en cacher un autre. C'est quoi cette histoire? Mais ouais, il y a moyen que vous ayez des belles petites annonces qui vont arriver soon. En fin d'année, quoi. Mais bon. Bon, après, je prendrai un saut de lait quand je vais sortir des annonces de projets, de trucs comme ça. Des trucs pour la chaîne qui vont faire du bien et qui vont vous faire du bien, qui vont vous plaire. Enfin, en vrai, vraiment, on s'est cassé le cul, hein, pour être honnête. C'est-à-dire que... J'ai trop peur, je vais remettre mon totem parce qu'avec le creeper j'ai trop peur qu'il pète à travers le mur, tu vois. Ça me ferait tellement chier de mourir comme ça. Ça me ferait tellement chier de crever à cause d'un bug ou un truc comme ça, tu vois, que franchement, s'il doit y avoir un bug, je préfère que ce soit mon totem qui parte. Ok, c'est bon, on est bien là. Voilà, donc tout ça pour dire que vous allez être très content de ce qui va arriver sur la chaîne très bientôt. Et moi aussi, d'ailleurs, parce que j'ai atteint, ça fait des mois qu'on prépare des trucs, donc là j'ai hâte. C'est pour ça que depuis quelques mois là, il y a plus beaucoup de live un petit peu. Enfin, c'est beaucoup du HC, on tourne un petit peu en rond, etc. Bah, c'est parce qu'on prépare des choses, quoi. Ça prend du temps, quoi, en gros. Ça prend du temps. Vous savez quoi, ça me fait vraiment du bien de vous parler de ça. Merci. Parce que ça me motive de fou, en fait, de vous parler de ça. Je sais pas pourquoi, mais j'avais un petit coup de mou la semaine dernière sur plein de choses. Et là, ce live là, le fait de vous parler de tout ça, ça me fait trop du bien et ça me motive de fou, tu vois. Ça me régale, en fait. Là, je suis trop bien là. Je suis trop motivé pour faire plein de trucs, donc c'est trop cool. Est-ce que je vais faire du Death Note UHC? Oui, avec le nouveau groupe sérieux qu'on va refaire. On va faire des Death Note UHC, parce que je suis en train de préparer un nouveau groupe là, donc bien sûr ça va se faire. Bien sûr. Non, en vrai, je suis un vrai fan de Zelda, c'est pour ça. Mais moi aussi j'aime bien Zelda, mais en fait ça... Le truc c'est que les jeux sont tellement longs que j'ai jamais pris le temps de les faire vraiment, tu vois. Mais moi je me souviens du Zelda, bon après en général les gens l'aiment pas trop, mais le Zelda sur la DS avec les trains là, Spirit Tracks, il s'appelait. C'était incroyable, j'adorais ce jeu, mais pourtant je sais que les gens l'aiment pas trop. C'est le Zelda que les gens détestent en général, et ben moi c'était un de mes jeux préférés à l'époque, sur DS. Donc c'est fou. Pour la playlist aussi, j'ai vu quelqu'un qui demandait, pour la playlist c'est un mix Nintendo, tiens je te la donne dans le chat, comme ça, hop là, t'as tout. Il y a du Donjon Mystère, il y a du Mario Kart Wii, il y a des jeux DS, et après il y a du Mario Kart, etc. Enfin c'est trop bien quoi, des petites musiques sympas quoi. Ça fait plaisir. Puis elles sont assez faibles en plus, donc on galère pas trop à les entendre et tout, donc c'est cool. Le seul que j'ai fait, mais il est trop bien ce jeu, mec, j'aimerais trop le faire en live, sérieux, j'aimerais trop le refaire en stream. Mais je pense que si je le refaisais en live, tout le monde m'insulterait, c'est terrible. T'es Muzen qui a tué Sinuzuko, ouais là dans les effets, ouais. Mais ouais, on a trouvé le glitch de fou avec le creeper là, ça nous met trop bien. Ouais, c'est Soon Pré là, il tire à ton là, c'est Soon Pré.
Enfin, en tout cas, le Discord et tout, tout est prêt. J'ai déjà tout balancé et tout, donc c'est bon. Il manque juste que j'invite les gens dessus et après on commence. Mais je pense qu'on commence ce week-end là. On fait la première game ce week-end et on ajoutera les gens au fur et à mesure. Et d'ailleurs, oh putain, faut que je vous l'annonce, mais attends, je vais envoyer vite un message à Xintegg. Est-ce que par hasard, t'aurais un PSD d'annonce de tournoi Fall Guys qui traîne ou pas? Parce qu'en vrai, j'ai un tournoi demain, mais j'ai oublié de l'annoncer. Hop. Hop. Merci pour ces euros de plaisir. Parfait. Excusez-moi, désolé, j'ai envoyé un message à mon petit graphiste. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Attendez, deux secondes. Hein. C'est bon. J'ai envoyé un petit message à mon graphiste. Si tu le fais en live, je demande un remboursement. Non, c'est trop nul comme Zelda. Il est trop bien. Demain, il y a tournoi Fall Guys, demain. Depuis deux mois, cette semaine, je vais faire un nouveau groupe. Mais oui, mais c'est parce qu'en fait, j'ai pas le temps, en fait, tira-t-on. Mais tu te fous de ma gueule, mais j'ai pas le temps. Mais je crois que vous vous rendez pas compte, j'ai tellement de trucs à faire. Mais vraiment, tu vous foutez de ma gueule, là, les subs et tout, parce que ça fait des mois que je parle de ce Discord. Mais vous vous rendez pas compte d'à quel point ça prend... Enfin, d'à quel point j'ai pas le temps de m'occuper de tout en ce moment et que j'arrive même pas. Rien que là, la semaine dernière, ça fait 2-3 semaines que je gérais la chaîne YouTube tout seul. Je gérais plein de choses tout seul, j'ai même fait des TikTok tout seul. Je faisais mes lives tous les jours tout seul. Je prépare des projets pour 2023, mais qui du coup... prennent masse de temps par jour, enfin je sais pas si vous vous rendez compte, enfin vous pouvez pas vous rendre compte en fait, mais mes journées ne 24 heures ne sont pas suffisantes en fait pour que je fasse tout ce que j'ai à faire en ce moment. Et là le fait que Nimbus déjà va reprendre les montages, ça fait plaisir. Là déjà il fait une vidéo pour ce week-end, ce qui fait que honnêtement on est déjà pas mal. Si enfin c'est peut-être ce week-end, mais en vrai il prend son temps quoi, mais honnêtement ça va le faire. Réel pour le coup, réel. Mais ouais, non mais mec, ça serait... J'aimerais tellement en fait avoir des journées de 40 heures ou avoir un super pouvoir, c'est de pas dormir. Tiens, question, si vous deviez avoir un super pouvoir, parmi tous les trucs qui sont possibles, ça serait quoi? Moi, c'est pas dormir. Parce que mes journées, c'est impossible de faire tout ce que je dois faire dans mes journées. Invisible. Oh non, c'est chiant en vrai, je trouve. Être invisible. Hein. Enfin, c'est bien, mais en même temps, c'est chiant, tu vois. Oh, TP, j'avoue, la TP là. Non mais genre, tu vois, ouais, c'est ça, genre... mourir. Vous voyez comment ils sont mes modos? Voilà. Ils sont comme ça mes modos. Hein. Chainsaw Man, rien à voir. Si vous avez un super pouvoir, c'est quoi? Ouais, je vais être comme Chainsaw Man. Le weeb, t'es le weeb originel toi. Hein. Pouvoir se démultiplier pour faire plusieurs tâches en même temps. J'avoue que ça aussi. Ouais, c'est dans la même idée quoi en vrai. C'est ça. Dans cette idée là moi aussi, ouais. J'aimerais bien pouvoir faire plus de choses en fait en même temps. Parce que là, j'y pépé en fait. Je peux pas tout faire en même temps là et c'est un enfer. Hein. En fait, j'arriverai jamais à finir mon full beacon, je suis en train de me dire là, on est d'accord, j'arriverai jamais là. C'est impossible, j'y arriverai jamais. Tous les gens qui disent invisible ont l'esprit mal placé aussi. Ah, mais j'avais même pas pensé comme ça, mais ah ouais, mais vous êtes des malades mentaux en fait. Ouais, c'est ça le problème. Vous êtes des malades mentaux en fait, c'est ça le problème. Pouvoir tout faire à la vitesse de la lumière, c'est pixel, tu peux faire tout ce que tu veux giga rapidement. Ouais, mais des fois, tu sais, c'est pas forcément. Des fois, tu sais, tu prends pas de plaisir si tu fais les choses trop rapidement. Cette phrase peut être tournée dans n'importe quel sens. Vraiment. Je suis d'accord avec ne pas dormir, ce serait trop pratique, mais sinon quelque chose comme pouvoir être plusieurs endroits. Ouais, c'est ça, oui, voilà. Mais moi, franchement, rien que ne pas dormir ou un truc comme ça, ça serait tellement fou. T'imagines le temps de ouf qu'on gagnerait, mec, c'est une dinguerie. Genre pendant là que vous dormez 10 heures, moi je suis là, je suis bien, je fais un petit montage. Franchement, si j'avais pas besoin de dodo, les gars, il y aurait une vidéo par jour, hein. Je vous le dis. Hein. Merci pour ces euros de plaisir. Une vidéo par jour, hein. Mais bon. La vie, on a décidé autrement, malheureusement, et du coup, il n'y a pas une vidéo par jour. Hein. Enfin, vous pouvez vous plaindre à la vie si ça vous plaît pas. La vie, la vie, la vie, la vie. Ouais, après, dormir 10 heures, je dis ça en rigolant parce que tout le monde dort 4 heures, évidemment, vous êtes tous étudiants ou élèves, bien sûr. Hein. J'avoue que depuis que j'ai fini mes études, moi, je fais attention à mon sommeil, disons, honnêtement. Pouvoir aller dans le multiverse. Vous êtes perchés, certains, ça fume. Ah ouais, tant de choses. Soigner les gens, c'est bien. Tu peux déjà, dans ces cas-là, avoir un super pouvoir et faire des études là-dedans, dans ces cas-là, si tu veux. Mais j'avoue qu'en soi, les médecins sont déjà des super-héros, en soi. Ils ont déjà des super pouvoirs. Comme moi, tu vois, par exemple, mon super pouvoir, c'est d'être drôle, déjà, tu vois, de base. Tu vois, quand, par exemple, je fais mes petites blagues et tout, vu que ça vous fait rire à chaque fois dans le chat, c'est drôle, tu vois. C'est fou. Enfin, chacun son super pouvoir, moi c'est que je suis drôle, quoi. Y'a pas de soucis, enfin... Pas bizarre, les gars, pourquoi vous dites non, là? Bizarre les gars. Tu es la cause de ma dépression.
Fin du live à demain, les gars. Bonne soirée à tous. T'imagines, il y a vraiment des gens peut-être un jour qui m'envoient des vrais messages comme ça. Elle était dure celle-là. Ouais, elle était dure celle-là quand même. Hein. Celle-là, elle est dure. Hein. Les gens me disent l'inverse en général. Ils me disent tu me fais sourire, etc. Et toi, tu me dis tu es la cause de ma dépression. Bouah, vite fait. Hein. Je vais dormir et comme super pouvoir, homme élastique comme Luffy et la visiter. Un petit Weeboss One Piece, je vois, Dan, dis donc. Hein. J'étais le mec des eaux, ouais, c'est ça, ouais. Faire foutre. Ouais, c'est comme ça que ça se passe dans ma commu. Tu vois, quand j'aime bien quelqu'un, je l'insulte. C'est comme ça. Je mérite. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'en vrai, c'est un peu mérité, ouais, effectivement, ouais. C'est vrai que c'est un peu mérité. Non, mais c'est. Non, en fait, non, tu mérites pas. Non, tu mérites pas. Personne ne mérite d'insulte, en fait, non. Même si tu fais. Même si t'es absolument horrible comme personne, tu mérites pas. C'est le gros fils de. Le gros fils de. Qui en met une couche et tout. Développer ses capacités intellectuelles à 100%. Ouais. Bah après ça, en soi... Ouais non, j'avoue que ça, non, c'est pas possible non plus, en vrai. Ça, j'avoue que c'est pas possible non plus parce que... Ça, j'avais lu un truc, combien de pourcentage du cerveau on utilise, je crois, ou combien de... Quand t'as vraiment bien développé ton cerveau, combien de pourcentage? Je crois que c'est genre dans les 30% ou un truc comme ça que j'avais lu, non? Même si ça se trouve, c'est même moins, je sais plus. 10%? Attends, ouais, non, je suis à perpète alors. Moi, je crois, il me semble que c'était dans les 30, 40, dans les 30, un truc comme ça, mais... C'est faux. Ah bon? Ah bah écoutez, peut-être de la désinformation. Attendez, on va peut-être apprendre quelque chose de nouveau aujourd'hui, attention! La nuit de la culture, les gars, c'est aujourd'hui! Itiraton use 10%. Ah bah c'est sûr. Itiraton il use 10%. Merse Gravity il use 1% et encore, vite fait. Enfin voilà, tu vois. C'est une idée reçue. Après, ça dépend. Moi perso, tu vois, je sais que j'utilise. Moi je sais que j'utilise 10%, tu vois. Ça dépend, tu vois, des personnes. Ah, apparemment, ça serait que du bullshit, apparemment. Eh bah bravo à tous pour cette désinfo. Bravo, on vient de démonter une idée reçue, bravo à tous. Moi j'utilise même pas 0%, moi j'utilise même pas mon cerveau, clairement. Merci Toto, c'est gentil. Je crois que tu te rends pas compte du bien que tu fais, merci. Mais non, mais c'est toi qui te remercie, enfin c'est moi qui te remercie Toto, c'est vous, vous rendez pas compte du bien que vous me faites. Très bizarre comme phrase aussi d'ailleurs. Mais serais-tu intéressé par une formation offerte de ma part sur le trading avec suivi et coaching? Pas maintenant, peut-être dans quelques années. Là tout de suite, là maintenant, j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai malheureusement pas le temps pour ça, mais merci beaucoup pour ta proposition. Mais si un jour je veux m'y mettre, je te contacterai sans aucun problème par contre. Ça oui. Mais là tout de suite, là maintenant, j'ai pas du tout le temps. C'est-à-dire que mes journées déjà, elles sont full. Donc déjà, si en plus de ça, je dois me mettre au trading, on s'en sort pas. Après, je vais peut-être faire... Oh les gars, je vais faire Crypto Guild. Comme la chaîne d'un certain... Dans certains vidéastes Minecraft à la retraite maintenant. Crypto Guild. Oh, let's go. Crypto Guild. Salut à tous, c'est Fanta. Plus connu sous le nom de Fanta. Tu es la cause de mon manque de sommeil. Ça, c'est plus possible, par contre. Ça, c'est plus probable. Et encore, je trouve que bon, ça, vous dédouaniez bien. Hein, parce que la cause de ton manque de sommeil. Ouais. Hein, parce que tu peux. Hein, The Crypto 8-4. Hein, la chaîne de fou, en vrai. Mec, la chaîne de fou. The Crypto 8-4. Mec, ça, ça serait incroyable. Nom de chaîne est insane. J'adore. J'adore. Je deviens un youtubeur crypto pour l'interrogation. Merci pour ces euros de plaisir. Si tu veux des conseils sur thermique du bâtiment, demande-moi. Ouais, t'inquiète, Kato, j'allais te demander en plus. À cause de ton humour, mon cœur s'est arrêté. Vous êtes des bâtards ce soir, c'est trop grave. Vous êtes trop des bâtards. Merci pour c'est un ces truc euros de fou, de attends. Plaisir. Vous êtes là, vous m'insultez mes grands morts ce soir, qu'est-ce qui vous arrive là? Déjà tout à... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Ah ok, en train de me dire qu'est-ce qui se passe là. Vous m'insultez mes grands morts ce soir, j'ai compris là, qu'est-ce qui se passe hein? Qu'est-ce que je vous ai fait là? Pourquoi il a tous ses effets? Parce que j'ai cheaté un peu. J'ai fait un slash give effect et voilà. J'ai fait un slash give effect et du coup je me suis donné tous ses effets. Non en vrai c'est parce que j'ai trouvé le glitch ultime en fait. J'ai trouvé le glitch ultime de Minecraft, c'est pas une vanne. Y'a pas de blague, j'ai trouvé le glitch ultime du jeu. Donc forcément, voilà, je suis trop chaud au jeu en fait. C'est ça le problème. En fait, mon problème, c'est que je suis obligé de te trash talk car quand je suis gentil, tu me traites de faillotte. C'est vrai. C'est bien vrai. Mais parce qu'en fait, tu sais pourquoi je traite. En vrai, en rigolant comme ça, je traite de faillot, etc. Parce que, comme j'ai toujours expliqué, j'ai du... Enfin, c'est pas que j'ai du mal, mais en fait, quand on me fait des compliments ou quand les gens sont gentils ou un truc comme ça, tu sais, je me sens toujours un peu... pas mal à l'aise, mais tu sais, c'est un peu bizarre comme sensation à expliquer, mais c'est vrai que par exemple, tu vois, quand ma mère, elle me faisait des compliments ou des trucs comme ça quand j'étais plus jeune, j'arrivais pas à la regarder dans les yeux en lui disant merci tout le temps, tu vois, parce que ça me gênait, tu vois. Et ben ça fait un peu pareil, tu vois. Tu vois,
Mais en vrai, ça me fait quand même plaisir, honnêtement, quand vous êtes gentil avec moi, quand même. Bon. Je tenais à te remercier quand j'étais en pleine dépression et tes lives m'ont permis de m'en sortir. Grâce à toi, j'ai eu le courage de me lever pour éteindre ton stream et être tranquille. Et c'est pour ce petit troll que je pars dormir. Bonne nuit. Merci à toi, bien sûr. En plus, je suis tombé dans le panneau comme une grosse merde alors que je le connais bien. Donc bravo à toi. Bravo, tu m'as eu. Dors bien. J'espère que tu vas faire plein de cauchemars cette nuit avec ton message qui va me mettre vraiment au fond. Là, je suis vraiment déçu de ouf de toi. Donc j'espère que tu vas faire plein de beaux cauchemars cette nuit et que demain matin, tu vas te réveiller et tu viendras. Mais bravo, bravo pour le troll. Bravo, parce que je me suis fait avoir comme une merde. Alors que je le connais. Hein. Donc tu peux faire qu'on t'insulte. Non, j'ai pas dit ça non plus. J'ai pas dit ça non plus quand même. N'abusons pas avec ce que je n'ai pas dit. Je dis juste merci que ça me fait toujours super plaisir, mais que je suis quelqu'un qui garde ses émotions pour lui. Et je suis quelqu'un de très renfermé sur soi, donc ce qui fait qu'en fait j'ai du mal à exprimer ce que je ressens. Et donc ça fait que quand ça me fait plaisir, bah, en général je le dis pas. Tu vois, je suis toujours en mode merci, mais je dis pas, tu sais, que ça fait plaisir et tout, voilà. En gros, si tu veux investir dans des entreprises et les revendre à 50 ou 104, dis-moi. Ouais, on va faire ça, ouais. Non, mais l'année prochaine, en vrai, je vais mettre dans de l'investissement. Enfin, je vais mettre à investir des trucs et tout, donc c'est pour ça que... Faut que je finisse de préparer tous mes projets pour l'année prochaine, cette année, parce que l'année prochaine, ça va partir sur d'autres choses sérieuses, là. C'est pour ça, ouais. Mon ref, tu as des conseils pour YouTube, please, parce que ça fait 3 ans que je galère et j'ai toujours moins de 50 abos. Bah, en fait, le problème, c'est que YouTube, c'est vraiment de la chance de fou, en fait. Et que c'est un peu chiant et que... En vrai, honnêtement, je vais te dire un truc, c'est un peu bizarre, mais il y a des métas qui marchent sur YouTube en termes de miniatures et de titres. Et je pense qu'il faut obligatoirement passer par là si tu veux que ta chaîne, elle décolle un peu. Surtout en 2022. C'est très très triste à dire, mais surtout cette année-là. Cette année-là. Nanana, je vais mourir dans l'eau. Ça fait plaisir. J'aime beaucoup tes lives parce que ça va vite, tu parles vite, mais en même temps on parle chill et tout, et comme j'arrive pas à me concentrer et me déconcentre dès que je m'ennuie, ce rythme-là m'aide un peu plus à suivre. C'est gentil Pinky, bah c'est le plus important alors. Si jamais bah, ça vous plaît le live, c'est le plus important quoi. Si ça vous aide, peu importe ce que ça peut vous aider, je ne sais pas quoi, pourquoi je vais là, je ne sais pas, je vais clamser. Désolé, je pars en couille. C'est pas là d'où je venais? Non bah je sais plus, allez je repars miner, c'est pas grave. Hop. Hop là. Hop là. C'est quoi le glitch des effets? En gros, dans Minecraft, quand un creeper a une potion sur lui, eh bah si tu le fais péter, la potion va aller au sol comme l'effet d'une potion de... Je sais plus quoi, comment s'appellent les potions comme ça là. Vous savez les potions où vous mettez du souffle du dragon là? Bah ça fait une zone, tu sais, ça fait une zone où la potion est active au centre. Eh bah en gros, bah, les creepers quand ils explosent, ça fait la même chose. Hein. Ça fait des lingering potions là, je sais pas, voilà, lingering potions là. Ça fait ça. Quand tu fais exploser un creeper qui a par exemple un effet de force, eh bah par terre, ça va dropper la force avec le temps qui restait sur la potion. Par exemple, je sais pas, si tu drops une potion de force 10 minutes, bah bon, ça existe pas. De 1 minute, je vais dire, eh bah le creeper, du coup, il va te dropper par terre une zone de 10 minutes de strength, en fait. Voilà! Et du coup, le truc, c'est que bah nous, dans notre plugin, en fait, bah les creepers, ils ont que des effets de bâtard, en fait. Et du coup, je viens de m'en apercevoir là. Du coup, ça fait que j'ai fait péter un creeper en cave. Et en fait, il m'a donné speed 2, l'autre m'a donné résistance 2, l'autre m'a donné strength 2. Voilà, tu vois, tout ça quoi. Il y a plein de personnes qui disent être en dépression pour attirer l'attention. Mais perso, je pense que lorsqu'on est dépressif, on essaie pas vraiment d'attirer l'attention. Après, ça, c'est une phrase un peu de bâtard quand même. Comme, enfin, après, tu connais pas les gens quoi. Donc, bon, c'est un peu bâtard de dire ça quand même. Tu sais pas comment les gens y sont quoi. Enfin, moi, je sais que perso, quand j'ai eu une grosse période de déprime en 2018, mais vraiment une grosse période, c'est-à-dire qu'il y avait pendant 6 mois, il y avait aucun jour où je souriais. C'est-à-dire que du début de l'année au milieu de l'année jusqu'à août, je faisais la gueule. J'étais pas bien, genre je déprimais pour absolument tout et n'importe quoi. Il y avait rien qui me... Dans ma vie, je savais pas quoi faire, je savais pas où aller, il y avait rien qui me plaisait, tu vois. Et j'arrêtais pas d'être full déprime comme ça. Et ben je cherchais du soutien auprès de mes potes tout le temps. Et mes potes le ressentaient en fait, tu vois. C'était pas pour attirer l'attention, c'est qu'en fait j'en avais besoin en fait. C'est que j'en avais besoin parce que je ressentais ce besoin d'avoir besoin d'aide en fait. Et c'est comme ça que je le faisais ressentir. C'est pas pour attirer l'attention que je disais ça, mais c'est juste que bah j'avais besoin d'aide en fait, entre guillemets, là-dessus, tu vois. Et il y a une personne qui m'a sauvé, qui est aujourd'hui dans le même appart que moi. Et ça fait 4 ans qu'on est ensemble, c'est incroyable quand même. Et on part sur nos 5 ans, c'est fou quand même. Grâce à toi, tu m'as donné la force pour me lever et arrêter ton live. Mais ça y est aussi, c'est ma fête ce soir. Ça y est, c'est trop, c'est ma fête. C'est ma fête, ça y est. Vous foutez trop de ma gueule. Ça y est. Vous aimez trop vous foutre de ma gueule comme ça là. Trop mime ça. Bah non mais c'est vrai hein. C'est vrai hein. Ça prend, les gens veulent faire du trading comme si c'était un truc facile, genre pari sportif. Hein. Moi j'ai regardé une fois une vidéo de Fanta là qui faisait du trading, je n'ai rien compris mec. Vraiment je n'ai pas compris un seul mot de ce qu'il disait, j'avais l'impression de regarder un stream League of Legends sans connaître le vocabulaire. C'est pareil, je comprenais rien. Le trading ça a l'air trop dur pour moi. La Saint-Guillaume c'est le 17 janvier. Non. C'est le 10. C'est le 10 janvier. Pas le 17.
Melon Coca. Enfin, je crois, hein. Fête. 17 janvier. Non, c'est les 17, c'est Roselyne, Roselyne Antoine, Anthony, Titouan, Yolène, Yolande. Et le 10 janvier, par contre, c'est moi. Ouais, le 10 janvier, c'est moi. La Saint-Guillaume, c'est le 10 janvier. Et mon anniversaire, c'est le 11 décembre, d'ailleurs. Ouais. Moi, petite info, vous en battez les couilles, mais moi, je vous le dis, en fait. Je viens juste quelques secondes pour dire que ton contenu est incroyable aussi, pour savoir à quand DFG en UHC avec toi sur... Hein ? À quand DFG en UHC avec toi sur Among Us, hein. Ce serait incroyable. Quoi ? Attends, quoi ? J'ai pas compris. DFG avec toi en UHC sur Among Us ? J'ai pas compris. Attends, quoi ? Comment ça, des UHC sur Among Us ? J'ai raté un épisode, là, je crois. Ah, après Among Us. Ah oui, ok, 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 d'accord, ok, ok. Bah en vrai, j'avais lui proposé un jour à DFG. Mais surtout, je crois qu'en plus, il a fait la cité DFG. Je suis sûr qu'il serait super chaud un jour pour faire un UHC. D'ailleurs, attends, c'est mardi prochain que Mario Party sort, là. Nouveau Mario Party, là. Enfin, les nouveaux Mario Party vont sortir sur la Switch. Non, c'est mercredi prochain, du coup. Mercredi prochain, soirée normalement avec DFG, Mr. JD et tout ça, donc ça fait plaisir. Voilà. Mardi prochain. Enfin, mercredi prochain, du coup, pas mardi. Le 2 novembre, quoi, en gros. Putain mais merde, les caves sont à chier, c'est terrible. Les caves c'est une catastrophe, hein, vraiment là. Catastrophe les caves. UHC Among Us. Hein. Non mais on se fera une petite soirée avec eux semaine pro là. On verra quand, mais peut-être même du Among Us en vrai dans la semaine, pourquoi pas. Alors t'as dit quoi? Je fais les mêmes styles que du Fuse Ninjax ou même toi, mais parfois mais ma meilleure vidéo elle a fait 7 abos et 100 vues et je fais daily upload pour des shorts et des TikTok et une vidéo par semaine pour les vidéos de 10 minutes ou plus. Écoute, envoie ta chaîne et je vais te dire moi ce que j'en pense d'un point de vue de youtubeur qu'elle a depuis longtemps, si tu veux. Envoie le nom de ta chaîne là, dis-moi, et je vais aller te voir là et je vais te dire ce que j'en pense et... Mais honnêtement, hein, je te le dis si tu veux là. Comme ça au moins ça permet de donner des conseils aussi aux autres qui veulent sur YouTube, je pense. Du coup je peux me lever aussi et éteindre ton live. Ouais bah on fait ça Noli, ouais, c'est ça ouais. Ah bah c'est ça ouais, éteins-moi ouais, éteins-moi tout court même si tu veux. Merci pour ces euros de plaisir. Tu m'as donné la force pour te dire au revoir car je t'ai rendu riche, c'est vrai. C'est vrai Doudouche. Mais en vrai oui, enfin Dan tu m'as vraiment... Enfin, pas rendu riche mais tu m'as bien aidé le mois dernier, oui effectivement. Oui je vais pas te mentir, oui un petit peu quand même. Effectivement, oui. Clairement. Tu connais la technique du pseudo pour pas se noyer? Ouais, mais elle marche pas trop dans cette version. Dans cette version-là, c'est la technique des portes, on va dire, qui marche mieux. Donc voilà. Ton anniv est le meilleur jour que ma meilleure pote. Mais c'est normal, c'est les meilleures personnes, on est né toujours le 11 décembre, quoi. De toute façon, ceux qui sont nés en décembre, en général, vous êtes les boss, donc bon, c'est pas trop plus compliqué que ça, tu vois. Prochain LGUHC sûrement dimanche ou alors dans la semaine, Redoc, on va certainement en faire dans la semaine. Mais là, ça fait un petit moment qu'on en a pas fait, donc on refera certainement ça dimanche, et à mon avis, on va revenir avec le nouveau groupe, là, bam, bam! Nouveau LG nouveau groupe, on va l'appeler. Incroyable. Franchement, c'est bof décembre. Mais non, mais c'est trop bien décembre. Hein. Après, ça dépend. En général, tu te fais couiller. Quand t'es, ça dépend des anniversaires, ça dépend des familles. Mais si vos parents sont des rats, ils vont vous couiller sur les anniversaires. Du coup, vous aurez anniversaire plus Noël en même temps. Et voilà. Et moi, vu que j'ai les meilleurs parents du monde, moi, ils m'ont toujours séparé les deux. Donc, peut-être parce que je suis fils unique aussi. Peut-être aussi, ouais. Ça va peut-être faire un truc. Hop là. Avril best. Ma maman est née en avril, donc je ne peux que valider ce que tu dis aussi. Y a pas de souci. Y a pas de problème. Ceux qui sont nés en début et fin d'année sont les best. En fait, tout le monde est les best en fait. Ceux qui sont nés déjà, si vous êtes nés, vous êtes les best déjà. Si vous êtes nés. Mais du coup, t'as rien le reste de l'année. Non, moi j'avais un truc quand j'étais plus petit, c'est que en gros, il y avait un contrat que je passais avec mes parents, c'est que j'avais rien comme cadeau, sauf à mon anniversaire et à Noël, sauf si je ramenais une très bonne note. Imaginons par exemple, tu vois, j'étais en cours et je ramenais d'un coup, je sais pas, une note de fou dans une matière n'importe laquelle, je ramenais un 19 ou un 20. Qu'ils avaient la preuve de ça, et bah là j'avais le droit à un cadeau. Et ça, du coup c'est ça qui fait que du coup je bossais jusqu'à ce que ça me saoule. Non en vrai honnêtement, moi j'ai eu la chance d'avoir les parents que j'ai parce que franchement ils ont toujours été ultra généreux et... Pff. En fait c'est maintenant quand j'ai grandi que je m'en rends compte, tu vois ce que je veux dire? C'est quand, en fait on s'en rend pas forcément compte quand on est jeune, mais là maintenant que moi j'arrive à 24 ans, je commence à me rendre compte en fait de la chance des parents que j'ai eu. Quand même, sur plein de choses. Merci Mailzone, c'est gentil, ça fait 4 ans que je te suis et 4 mois que je suis les streams tous les jours. Je trouve que tu es une personne incroyable avec contenu qui est tout autant. Merci d'être là tous les jours Mailzone, merci pour ton message, c'est super gentil. J'attends mon VIP, non je rigole, sois pas osé de dire les termes, tu es riche. Hein. Non mais non, non. En fait ça dépend ce que t'appelles riche en fait. Mais moi je considère que t'es riche à partir du moment où par exemple t'as gagné assez d'argent pour être tranquille toute ta vie. Moi je suis très très loin d'en être là Dan, mais vraiment très 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 loin parce que la plupart de l'argent que je gagne je le réinvestis dans autre chose tu sais. Et genre dans des projets ou des trucs comme ça, donc tu sais j'aime pas ne rien faire de ma thune en fait. Genre je mets de côté un peu pour ma famille et mes futurs enfants, mais j'aime pas garder de l'argent de côté et rien foutre avec, donc là j'attends, l'année prochaine je vais sûrement acheter des apparts etc tu vois. Mais je me considère honnêtement pas riche, hein. Je vis bien tu vois, mais
Genre, enfin voilà, je sais vivre sur mes moyens et voilà, je me verse pas un salaire de 10 000 balles par mois comme certains youtubeurs ou des trucs comme ça, tu vois. Je vis avec un salaire que certains d'entre vous, je suis sûr, dans le chat ont, quoi. Et ça me va très bien en fait. Ça me va très bien parce que j'ai pas trop de dépenses à faire, j'ai pas de carburant à dépenser. La plupart des dépenses, je les fais pas en fait. J'ai déjà pas les courses, j'ai rien à dépenser, tu vois. Du coup, j'ai pas de carburant, j'ai rien, je bosse de chez moi donc. Voilà. J'aimerais bien te voir avec un enfant, toi, Guil. Mais plus tard, tu sais que là, attends, j'ai 24 ans, dans moins de 10 ans, j'aimerais bien avoir un enfant quand même. Donc si je suis toujours en live à ce moment-là, bah écoutez, les gars. Si je suis toujours en live à cette époque-là, peut-être que. Peut-être que voilà, vous me verrez avec un enfant, tu vois. Hop là. Mais bon, j'espère qu'on sera encore là quand même à ce moment-là. Pour voir quand je serai père. J'espère que je serai un bon père quand même. J'espère que je ferai des bonnes choses dans ma vie et que je serai un bon père aussi à l'avenir, mais bon. On verra bien. Hein. D'après Google, t'es considéré comme riche si tu gagnes 3400 euros après impôt. Dans le salaire que tu te verses ou pas? Parce qu'en fait, ça veut tout et rien dire, ça, en fait, tu vois. Parce que moi, par exemple, dans le salaire que je me verse, je suis très très loin d'être à ça. Hein. Donc, après impôt, très très loin. Donc, voilà. Donc, tranquille. Après, oui, 3400 après impôt, c'est quand même pas mal, hein, quand même. Hein. C'est quand même pas mal, 3400 après impôt. Hein. Donc, voilà. Le mini-guil, ouais, peut-être en vrai, hein, j'aimerais bien, ouais. J'aimerais bien, ouais, ça serait cool. Mon père travaille dans les trucs chimiques et se fait un salaire de 5000 euros, donc je suis pas à plaindre. Bah ouais, mais c'est trop cool pour vous, ça, franchement. Moi, tu sais, je suis pas en mode, vas-y, c'est chiant, il y en a plein qui gagnent plein d'argent, etc. Moi, je suis content pour vous, en fait. Hein. Franchement, c'est certain, ils peuvent gagner plein d'argent, se mettre bien, faire profiter leur famille, etc. Mais c'est génial, en fait. Franchement, il faut se réjouir, même si nous, on peut pas, par exemple, avoir ça, il faut se réjouir déjà que certains puissent le faire, quoi, tu vois. Bah moi je suis super content pour toi, hein, vraiment, hein. Et puis c'est trop cool en vrai. C'est trop trop cool pour toi. Oui, forcément c'est un peu frustrant pour d'autres, mais bah voilà, faut se dire que c'est bien que les autres puissent avoir ça, quoi, tu vois. Si on calcule par rapport à Google, faut être médecin généraliste pour être riche. J'avoue que putain. Bon. Après ça dépend, moi je connais pas tous les salaires des streamers, etc. Tu vois, d'ailleurs c'est une question qu'on se pose jamais parce que ça dépend de la personne. Mais quand t'es en société, tu sais, t'es obligé de te sortir un salaire. Moi ce que je gagne avec ma chaîne, c'est pas ce que j'ai à la fin du mois en salaire. Hein. C'est loin d'être ça, tu vois. Je me verse un petit salaire et le reste c'est sur une société à part qui n'est pas... Enfin c'est à moi, mais c'est pas à moi, tu vois, c'est pas à mon argent, quoi. Je peux pas y toucher, je touche que l'argent que je me verse moi-même, donc... Donc voilà, après je sais que genre des Antoine Daniel et tout, ils avaient dit combien ils se versaient, je crois. Antoine il se verse 7000 par mois, je crois. Après, il doit payer beaucoup d'impôts, donc je pense que c'est pour ça qu'il s'en verse autant. Donc voilà. Mais bon. Après, écoutez, c'est comme ça. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Faut pas être jaloux, honnêtement, des autres. Hein. Franchement, c'est... En fait, le problème, c'est qu'à se concentrer sur les autres, à être jaloux de quand les autres gagnent, etc., leur vie ou un truc comme ça, bah finalement, tu perds du temps sur ta propre vie, en fait. C'est tellement dommage, je trouve, tu vois. Projet Mbappé ou projet PVP pour ton enfant? Ah non, projet... Attends, projet Weeb, hein. Projet gros WeBoss, projet sur les jeux vidéo des 3 ans du matin au soir, hein, avec nous. Hein. Attends, mon rêve, quand j'aurai un enfant et que je vais le faire, le premier jeu vidéo, je vais lui donner ma DS avec Pokémon Perle et que je vais lui faire, vas-y, joue. Quand il aura 5 ans, 6 ans et que je vais le regarder découvrir pour la première fois Pokémon Perle à côté, là. Oh, Pour moi, être riche, c'est gagner plus de 150 000. Ah ouais, bah, tu sais quoi, par jour, moi-même. Hein. Par jour, ça, par jour, minimum, 150 000, même par minute, même. Moi, de toute façon, j'ouvre la bouche, il y a de l'argent qui tombe sur mon compte, en fait, c'est comme ça. Il va faire ses moches, on voit rien. Non, je pense pas, honnêtement, je pense pas. Je pense pas. Puis on verra, peut-être que oui, mais bon, dans ces cas-là, voilà. Après, en soi, si nos enfants, ils nous ressemblent, il y a de fortes chances qu'il apprécie pas Fortnite. Donc, à un moment, on est tranquille, hein, j'ai envie de dire. Imagine ton enfant aime pas les jeux vidéo, bah c'est pas grave, on trouvera d'autres choses à faire. S'il aime le sport, franchement, et qu'il aime pas les jeux vidéo, ça me va très bien aussi, tu vois. Franchement, moi, en fait, il y a forcément des points communs que tu vas avoir avec tes enfants. Moi, si c'est pas les jeux vidéo, ce sera les sports. Du coup, parce que par exemple, ça me ferait super plaisir, tu vois, de faire du sport avec mes enfants quand ils vont en faire et tout, tu vois. Parce que j'adore le sport aussi. Même d'autres trucs, tu vois. Il y a plein de choses, plein de trucs que je suis sûr j'aurai forcément au moins un ou deux trucs en rapport avec eux. Et ces trucs-là qu'on aura en commun, j'en ferai profiter à mort, tu vois ce que je veux dire. Moi, franchement, mon but là, c'est tant que je suis jeune, d'essayer de gagner le plus possible, de mettre de côté. Et quand j'aurai des enfants. Un, deux, ou je sais pas, bon, dans l'idée deux, ça serait bien, bah de pouvoir tout faire pour qu'ils soient trop bien, pouvoir développer leur passion à fond, parce que je sais que moi, justement,
c'est en développant ma passion que j'ai réussi à en être là où j'en suis aujourd'hui, donc je ferai tout pour que leur passion soit développée et qu'ils peuvent, qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent, tu vois. S'il aime pas le sport, bah c'est pas grave, on fera ce qu'il aime faire, tu vois. Faut juste qu'il trouve ce qu'il aime faire et puis c'est tout, tu vois. Et s'il aime rien, eh ben je le mets sous l'eau. Non, je rigole. Merci. Eh ben écoute, c'est un crash test et j'en reste avec un autre, c'est pas grave. Merci Dan, je peux me verser bien plus, mais non mais toi t'es complètement fou, non mais c'est incroyable. Enfin c'est pas t'es complètement fou, c'est... En vrai je suis content pour toi franchement Dan, parce que... En fait je suis content que ce soit des gens comme toi par exemple qui gagnent beaucoup, parce que toi ça se voit que t'es quelqu'un d'ultra généreux avec ce que t'as fait le mois dernier. Et je suis content que ce soit des gens comme toi qui en fait gagnent énormément d'argent, parce que du coup c'est des gens comme toi qui redivisent en fait à plein de monde derrière. Et c'est trop bien tu vois. Donc voilà. Imagine ton style t'insulte Minecraft, tu fais quoi? Bah écoute... J'en connais un qui va... Il va pas beaucoup apprécier son enfance, quoi. Non, je rigole, je désamorce, c'est une blague. Je serai un amour avec mes enfants. Tout comme mes parents ont été des amours avec moi, je tiens trop à ça. Y'a pas de souci. Merci le fiston de Guild. Let's go, on se fait un week-end. On se fait un footing ce week-end. Allez, go. Tout de suite même, si tu veux. Il sera privé de dessert, ouais. À chaque insulte sur un truc que j'aime bien, genre Minecraft ou Pokémon, hop, je mange son plat. Genre tu vois, à table, hop, je mange ton plat devant toi, hop là, qu'est-ce que tu fais? Trop hâte qu'ils te disent qu'il est fan de Jean-Fils, hein. Bah écoute, ça tombe bien, il va souvent aux mêmes conventions que nous, donc on le voit souvent Jean-Fils. Donc je pourrais lui dire, bah tiens, on va aller rencontrer Jean-Fils, et comme ça tu pourras lui dire que t'es que t'as réussi à te lever de ta chaise pour éteindre ses vidéos de merde. Non, je rigole en vrai. Non, je suis juste pas le public de Jean-Fils en vrai, mais c'est une blague. Je suis pas le public, mais je comprends que les gens apprécient quoi, tu vois. C'est juste que bon, après voilà, c'est normal, je sois pas le public, je suis pas le public visé, je veux dire les vidéos où il fait si je fais un kill, cette fille m'embrasse, bon bah voilà, je suis pas trop le public, hein, j'ai pas 11 ans, donc forcément, bon. Bah voilà, hein. Speaking facts, non mais voilà, il faut du contenu pour tout, tu vois, il faut du contenu pour tous les âges. Tu vas l'appeler comment ton fils? Je sais pas, j'hésite encore entre Gérard ou, je sais pas, Jean-Mimi peut-être, je sais pas, j'hésite encore, tu vois. Rodolphe peut-être aussi. Titouan aussi, c'est pas mal. J'hésite. Hein. Steve aussi, ouais. J'avoue, Steve et Alex. Hein. Les prénoms de merde, ça y est. Christophe, il va l'appeler. Non, vas-y, c'est bon. Peu cher, hein. Déjà, je lui fais pas un cadeau. Hein. Force à tous les Christophe hein, dans le chat, hein, s'il y en a. Force à tous les Christophe. Hein. Pokémon ou Minecraft hein. Ah, c'est trop dur, trop dur. Impossible de choisir. Minecraft parce que ça me fait vivre, donc je peux pas choisir Pokémon. Mais mon cœur choisit Pokémon parce que c'est impossible. Pokémon, c'est encore un jeu aujourd'hui qui me procure des sensations, qui même quand je rejoue, tu sais, des sensations de nostalgie, qu'il y a absolument rien qui fait ça à part ce jeu-là. Donc ouais. Le mini-guild, ce sera Kevin. Non, j'appellerai pas Kevin, mon fils. En vrai, là, les prénoms pour l'instant que j'ai éventuellement pour mon fils, j'avais réfléchi, ce serait des prénoms comme... Enfin, pour mes enfants, ça serait Esteban, parce que j'adore ce prénom. Ça serait même Lo, on en a déjà parlé plein de fois, tu vois, de ça. Mais en fait, c'est marrant parce qu'avec Lo, on voulait exactement les mêmes prénoms, mais sans se concerter. C'était incroyable. Comme quoi, on s'est vraiment trouvé, hein, c'est un truc de fou. Mais bon, faut laisser le temps quand même. Un truc comme ça, tu vois. Genre, il y a des prénoms, si c'est par exemple une fille, il y a des prénoms que j'aime beaucoup, genre Aurore. Merci pour ces que j'adore comme plaisir. Prénom, que je trouve ça incroyable. Il y avait quoi comme prénom aussi qu'on avait? Putain, attends, il y avait un prénom qu'on avait que je me souviens plus. Mélodie, je crois, on avait aussi comme prénom, que je trouvais ça super stylé comme prénom. Esteban Ziatao, ouais. Non mais en fait, le truc, c'est que vu que ma famille est un peu avec l'Espagne aussi, forcément, c'est un peu lié, tu vois. Donc voilà. Dis-toi, j'ai 23 ans et je suis marié, j'ai 3 enfants. Non, je te crois pas. Je te crois pas du tout. Je te crois absolument pas. T'es un gigamito, je te crois pas. Impossible. Je te crois pas. 3 enfants à 23 ans. En vrai, c'est possible, en vrai. Mais si c'est le cas, putain, BG, hein, parce que... T'as été actif, ça veut dire, hein, pour avoir 3 enfants. T'as été actif ces dernières années, mon pote, hein. Merci pour ces euros. Je sais pas, ouais, peut-être en vrai, Sola, ouais, je pense qu'on fera un petit peu, ouais, tout à l'heure. Mais faut voir, parce qu'en vrai, j'ai du montage à faire, donc en vrai, je sais pas si je vais en faire ce soir. J'ai du montage à faire, là, ce soir, donc... je sais pas si j'aurai vraiment le time. Je sais pas si j'aurai trop le time. Actif, ouais, c'est ça, ouais. Il a une activité, vas-y, ça envoie, hein. Après, voilà, hein, écoute, hein. Du montage ou du Valo? Non, là je vais faire du montage après Charlie. Il faut vraiment que j'en fasse. J'ai perdu trop de temps aujourd'hui avec cette histoire de trame de ses morts. Là, il faut que j'avance un peu parce que sinon je vais être dans la merde. Déjà, j'ai 2 vidéos à faire là avec l'OP. On va bien rigoler un petit peu, mais je viendrai sûrement faire du Valo un petit peu après par contre. Mais là, je vais avancer la vidéo après là. Faut que j'aille avancer. Sinon, c'est la merde. Je vais me coucher alors. Mais non, mais vous jouez sans moi, c'est pas grave. Je vous rejoins après. Mais en gros, il faut que j'avance ma vidéo parce qu'il faut que je la finisse demain pour mercredi.
Et mercredi, j'en ai une à faire en un jour. Donc si je peux finir le plus tôt possible pour commencer l'autre le plus tôt possible, je dis pas non, tu vois. Merci pour ces euros de plaisir. On va dire. 5 stacks en guild. Mais non, mais tu rigoles ou quoi? En plus, je sais. Franchement, que je sois là ou que je sois pas là, ça change rien. Je suis à chier sur le jeu. Qu'est-ce que vous racontez? Pense à toi pour les montages, ça doit être chiant. Non, en vrai, ça va. C'est... En fait, c'est un peu long parfois parce que j'ai envie de faire autre chose, tu vois. Genre là, j'ai mes potes qui me demandent de venir jouer à Valo, tu vois. À Valorant, bah oui, bah forcément que j'ai envie d'aller jouer avec eux, tu vois. Mais il faut que je travaille à côté donc. J'ai un skin de Marshall pour toi. Mais non, mais faut que je débloque. Je veux acheter Chamber d'abord avant de jouer à Valo là. Je veux acheter Chamber. Oui, je joue à Rocket League, j'ai 1100 heures sur Rocket League. Et là, j'ai repris en live. Quasiment tous les jours, on fait du Rocket League pour finir les streams si ça vous intéresse. On fait du Ranked en 2v2 avec Delta Fox qui a exactement le même rank que moi et on avance et on fait des trucs sympas donc voilà. Depuis quand tu joues à Valo? Depuis la semaine dernière. Y'a pas de vanne. Je suis niveau 4, hein, mais y'a pas de vanne. Mais en vrai, ça va. Ça va, honnêtement. Enfin, sauf quand je tombe contre des mecs qui sont trop forts, mais sinon, ça va. En vrai. Ouais, je veux jouer Chamber et malheureusement, je. Désolé, ouais. T'es classé quoi RL? Champion 1 slash champion 2. Hier j'étais champion 2, mais on a des modes champion 1 parce qu'on a, on a enchaîné 4 loose d'affilée donc. Mais ouais, champion 1, champion 2 dans ces eaux là, en gros. T'as quoi comme conseil sur RL? Car je suis platine et j'ai claqué 100 heures de jeu. Ah, faut jouer RL hein. Ah, tu vas pas passer champion en 100 heures de jeu hein. J'ai 1100 heures et je suis champion, tu vois donc bon. Et bon, ça fait 500 heures je stack au même rang hein, donc bon, tu sais. Tu vas pas. Tu vas. Déjà platine en center c'est pas mal hein. Vraiment dans vrai de vrai c'est chaud hein. Mais faut jouer au jeu et ça va venir avec le temps. Tu regardes des vidéos, tu fais des entraînements, t'as des maps exprès et tout donc franchement c'est pas mal hein. Je suis algérien, tu me sous-estimes. Ah ouais? Ouais j'avoue peut-être, ouais, j'avoue. J'avoue peut-être Dan, j'avoue. J'ai pas pensé à ça ouais. Tu comptes en faire en live? Ça serait cool un peu de te voir en faire du Valorant, peut-être quand je serais devenu un peu meilleur, pour l'instant pas trop. On a passé les 140 jours, let's go. Là pour l'instant non parce qu'en vrai j'ai envie d'apprendre mais en chillant de mon côté tu vois. Les effets, c'est pas ceux d'une balise. Normalement, balise, quand il y a un chrono, quand même. Alors, les effets que vous voyez en bas à droite, c'est parce que j'ai trouvé un glitch de fou furieux. Voilà, c'est pour ça que vous voyez ça. J'ai trouvé un giga glitch, c'est juste pour ça que j'ai ça. Vous inquiétez pas, tout est normal. Tout est absolument normal. Je vais prendre un saut de lait dès que je sortirai. J'ai trouvé un glitch sur le jeu. Sur Minecraft. J'ai trouvé un glitch qui permet, enfin en tout cas avec notre plugin là, d'avoir des résistances 2, strength 2, jump boost 2 à l'infini comme ça. Donc explique-nous le glitch. Bah c'est que vu que tu sais dans ce monde hardcore, les creepers, tous les mobs etc, ils ont des effets par défaut. Tu sais quand ils spawnent, ils ont speed 2, strength etc. Les creepers quand ils explosent en vanilla, ça drop les effets de potions qu'ils possèdent par terre. Genre si un creeper il a par exemple, je sais pas, tu lui claques une potion de régénération et tu le fais péter, ça va créer une zone au sol. Où il va y avoir de la régénération au sol pendant le temps qui reste hein, de la potion. Sauf que moi, vu que les effets des mobs ils sont infinis, et bah du coup en faisant péter les creepers, j'ai des effets infinis. Donc voilà, mais je vais l'enlever quand je sortirai, je vais l'enlever là, c'était pour rigoler. Oh, des trucs de copper, let's go. J'en voulais absolument pas. Ça fait pas plaisir parce que j'en voulais pas du tout. Voilà. Ah ouais, t'es chaud. Bon, en vrai, j'ai eu un peu de chance parce que j'ai trouvé ça un peu au pif donc bon. Voilà, hein. Merci Lucas, bientôt les 1 an, merci pour ce contenu de qualité, bah merci à toi de suivre, hein. Ça fait plaisir. Clairement, ouais. Clairement. Hop là. Ah non, mais du coup, tu déconnais pas en vrai, Douduche, quand tu disais que t'avais 3 enfants, c'était... 18 ans marié, 19 ans, mon premier gosse, 21 ans, mon deuxième gosse, et Easy, 23 ans, mon troisième gosse. Mais tu déconnais pas, c'était vraiment vrai quand tu disais ça tout à l'heure, Dan? What the fuck? C'est incroyable. Bah en vrai l'avantage d'avoir eu tes enfants aussitôt, et ça c'est un truc que je me suis toujours dit, c'est que plus t'as tes enfants tôt comme ça, plus tu vas grandir entre guillemets avec eux, tu vois. Tu vas les voir grandir assez rapidement quoi. Putain, je pensais vraiment que tu trollais quoi. Oui, je ferai Céleste en live aussi, un de ces quatre, oui je veux le faire. Elle arrive quand la vidéo des 100 jours très bientôt. Ah bah voilà le train de live, regardez, il est là. Tout à l'heure les gens le demandaient, bah il est là. Merci Dark Soul pour les 9 mois de sub. Je vais le faire très bientôt Céleste en live, là je vais le refaire, j'ai vraiment envie de refaire ce jeu, ça fait très longtemps que j'ai envie de le refaire, donc là ça va y aller. Là j'ai juste à finir mes deux vidéos que je dois faire là et puis dès que ces deux vidéos elles sont faites là on part pour Céleste hein, après. Puis voilà. Bon 2-3 vidéos là que je dois faire, les vidéos importantes là et puis après on part sur autre chose. Donc ouais. Tu joues à Rocket League à quelle heure? Ça dépend, en général le soir c'est entre 23h30 et minuit 30 à peu près. Et donc ce qu'on fait c'est que... Là je sais pas trop si je vais en faire ce soir parce que comme dit j'ai beaucoup de taf là ce soir. Mais par contre ouais sinon c'est tous les soirs quoi.
Mais là c'est exceptionnel, début de semaine c'est un peu exceptionnel parce que j'ai beaucoup 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 de taf pour YouTube, donc je suis désolé. Je vais pas pouvoir, enfin là j'ai pas pu trop stream aujourd'hui là tu vois. Mais je vais me rattraper sur les prochains jours là donc, puis aujourd'hui de toute façon il y a des bugs Twitch donc c'est pas grave. Merci Sainte-Frite du Sama pour les 18 mois de sub. Bonne chance pour le monde hardcore, vivement que tu commences à sortir les vidéos sur YouTube. Ça arrive très vite, je pense que il y a de très fortes chances que ça soit semaine prochaine la vidéo des 100 jours déjà pour commencer. Il y a de très fortes chances que ça soit dans une semaine là. Oh putain, le fan game Pokémon, j'avais complètement oublié. Je rigole vraiment pas. Eh ben, félicitations alors. Je savais pas que t'avais 3 enfants. Bah putain. What the fuck. Et on a exactement le même âge et t'as 3 gosses. Hein. Eh bah. On a exactement le même âge et t'as 3 enfants. Oh. What the fuck. Ah ouais, c'est. On a pas la même vie. Hein. Bah incroyable, mec. Hein. Putain. Bah ouais, je suis content d'apprendre ça en vrai. J'aime bien apprendre des fois la vie des gens qui me suivent et tout, tu vois, comme ça. Je trouve ça super intéressant d'apprendre des choses comme ça sur les personnes qu'on peut pas forcément connaître. Hein. Et en vrai, je m'en serais jamais douté, tu vois. Et c'est ça qui je trouve fou. Merci Kaobo aussi pour les 20 bits, ça fait plaisir. Et pour le train de live. Hein. Tu te serais pas inspiré d'un mec sur YouTube pour ce concept, hein. Oui et non, dans le sens où en fait, l'entre du maître, c'est pas lui qui a créé le concept, hein, si tu parles de lui. C'est clairement pas lui qui a créé le concept, hein. C'est un truc qui existe sur YouTube américain depuis des années maintenant. Et en fait, de base, les 1000 jours que je voulais faire, c'était parce que je voulais faire une survie de base. Sauf que je trouvais le concept un peu rincé, juste d'aller en survie classique sur Minecraft et de créer une survie comme ça. Mais j'avais quand même envie de me faire une survie tout seul dans mon coin, parce que je trouve ça sympa et j'en ai jamais fait. Donc je me suis dit, bah autant faire déjà ça en hardcore et autant essayer en plus de ça, bah du coup de se mettre un défi en mode survivre 1000 jours un peu à la The Last of Us comme on a fait. Et donc du coup oui les vidéos seront pas forcément il y aura des ressemblances avec les vidéos de l'entre du maître, bah parce que forcément c'est les mêmes concepts entre guillemets, mais ce sera pas du tout la même chose, ce sera à ma sauce etc. Et puis même le concept est pas le même, le mode hardcore c'est pas le mode hardcore classique, c'est avec les difficultés qui a augmenté de fou, la difficulté augmente avec le temps, enfin bref c'est ça. En même temps d'un autre côté ça a rien à voir, j'ai envie de dire, tu vois, c'est la même chose mais en même temps d'un autre côté ça a rien à voir. Et puis de base, ce concept-là, du coup, des 1000 jours, je veux le faire sur plein de trucs, genre sur des modpacks, etc. Merci aussi. Pour ces euros de plaisir. Genre de base, je voulais le faire sur RLCraft, mais Josplay l'a commencé avant moi, du coup, bon, je le ferai quand même peut-être, certainement, mais c'est pas grave. Voilà, est-ce qu'il y a des VOD de la survie? Ouais. Alors, pas sur la chaîne principale, mais il y a toutes les VOD qui sont uploadées sur la chaîne secondaire, si jamais. Merde. Toutes les VOD qui sont uploadées pour l'instant sur la chaîne secondaire, et je upload tout directement à un jour d'intervalle dès qu'on fait les lives. Donc oui, tu peux retrouver déjà les VOD si tu les as ratés, et sinon tu vas retrouver la vidéo complète des 100 premiers jours qui va arriver la semaine prochaine avec évidemment un gros montage, etc. Et puis mon objectif en fait à la fin de la série, je vais vous expliquer pourquoi je fais cette série, c'est parce que j'ai envie de faire une vidéo à la fin où on voit du jour 1 au jour 1000 en fait, et de voir ce qu'il est possible de faire en 1000 jours d'un coup sur Minecraft. Voilà, elle est remplie comment ta shulker ? Là pour l'instant c'est comme ça. En vrai je sais pas, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 stacks on va dire. Il me faudra encore 7 stacks, ce serait pas mal et on a fini. On va finir le beacon en vrai comme ça au moins on est tranquille. Merci, c'est vrai que je pourrais aller dans une montagne. Plaisir. C'est vrai Uranium Patch, je pourrais aller dans une montagne ouais. Dans la compétition ouais, comme dans le truc de minage de l'Icube, ça pourrait être pas mal ouais. Est-ce qu'un jour tu feras des Game Rocket avec des abonnés ou quoi? Parce que je suis champion ouais, je dois pas être le seul donc je trouve que c'est une bonne idée. Ouais on pourrait faire des petites squads avec des subs de temps en temps ouais. Bon vous avez pas intérêt à me hint hein, par contre. Moi je vais vous hint par contre. Après avoir déballé ma vie, je suis un viewer de l'ombre même si on dirait pas, et je voulais dire que t'as une communauté de malades. Oui ma communauté elle est... Je suis vraiment très 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 content de la communauté que j'ai. Je l'aime beaucoup ma communauté parce que c'est une commune dans laquelle je me retrouve. Et c'est des gens qui sont très adorables pour tous ceux qui viennent souvent sur les streams etc. Qui font à chaque fois passer un bon moment. Et c'est pour ça comme je le répète souvent que les lives ça représente 50% de ma vie je pense. Avec les vidéos donc voilà. Enfin vidéo et live c'est 50% parce que justement ma communauté j'en suis très fier. Et des gens qui me suivent et du coup ouais j'adore cette commu quoi. Voilà. Je vais aller chercher des veines de fer ouais. Ça aurait été rentable de faire une petite usine à fer. J'ai fait une usine à fer mais le problème en fait c'est que j'ai fait une usine à fer et un chunk loader si tu veux savoir Yanox. Mais en fait c'est une usine à fer qui marche que en AFK parce que le chunk loader ne fonctionne pas vu qu'on est sur un serveur paper. Du coup ça me fait chier. Du coup voilà pourquoi je suis là à miner. Parce qu'en fait j'ai fait un chunk loader pour charger le chunk à l'infini sur laquelle j'ai fait l'usine à fer mais en fait ça ne marche juste pas en fait. Alors que pourtant elle marche mais dès que je me barre du chunk bah ça désactive le chunk loader donc bah... Je me suis renseigné un peu et c'est la configuration serveur qui fait ça, donc malheureusement je peux rien y faire. Et tant pis quoi. Malheureusement j'ai pas le choix, donc je suis obligé de miner à la place et puis l'usine à faire je l'utiliserai pour je sais pas, pour d'autres choses. Bah au moins déjà je sais la faire, au moins l'usine à faire c'est déjà pas mal. Pour les cités ou des trucs comme ça je sais la faire maintenant. Ça peut être sympa. Mais en fait les serveurs sous paper ça fait trop chier en fait. La plupart des configurations serveurs de base sont désactivées en fait. J'aurais été sur un serveur solo sur Minecraft, enfin j'aurais été sur comment dire un monde en solo sur Minecraft ça aurait marché. Hein. Mais bon. Quand est-ce que je passe VIP? Et quand est-ce que tu prends ce ratio aussi?
Ah, je sais pas. Il n'y a pas moyen de contrer ça, je sais pas, Kelly. Il faudrait que je recherche dans les configurations de Paper. Il y aura forcément moyen de le changer, honnêtement, je pense. Je pense qu'il y aura forcément moyen de le changer, mais il faut que je me renseigne un petit peu. Voilà. Merci pour ces faut que je me renseigne. Plaisir. J'y arriverai, mais pas tout de suite, quoi. Bien répondu. Eh oui. Pourquoi les zombies sont full netherite? Parce que c'est la difficulté de cette série, c'est que c'est pas que du hardcore. Hein. C'est du hardcore, mais avec des trucs en plus. Hein. Je vous liste la plupart des difficultés. Depuis le tout début, donc depuis le jour 1, les mobs ont du stuff, des épées en netherite, des effets pour certains d'entre eux. Plus certains mobs sont remplacés par d'autres mobs, par exemple les creepers, il y a 50% de chance que ça soit des creepers chargés et non des creepers basiques. Merci. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a, voilà, au niveau des cave spiders, pareil, hein, les cave spiders peuvent remplacer des spiders tout court, les zombies, pareil, enfin voilà. En gros, c'est une difficulté qui est assez augmentée et j'ai déjà perdu beaucoup de totems déjà dans cette série. Alors que pourtant, ça fait pas longtemps. Et le pire, ça a été lors des 100 premiers jours parce que du coup, j'avais pas de stuff. Ce qui fait que le résumé de mon début d'aventure, ça a été de passer pendant 80 jours à faire des PNJ histoire de monter full P4 Netherite. Sans mourir, sans rien, ça a été long, chiant, mais on a réussi. Et donc là, le dernier truc que je fais pour être tranquille, c'est de préparer mon petit beacon qui est au centre de la map. Enfin, qui est au centre de mon village. Et ensuite, on ira faire d'autres petites choses. Et c'est sympa ce stream Just Chatting, vous trouvez pas? Sympa le petit Just Chatting. Hop, hop, hop. Merci Mind. Ou Mind. Oh putain, super dur à dire. M-I-Y-N-D. Attends. Comment on peut prononcer ça? Mind. C'est super dur à prendre à savoir. Je sais pas comment je peux prononcer ton pseudo. J'arrive pas dans ma tête, ça veut pas faire la liaison. Donc ouais, j'ai tenté. Oui, t'as bien fait de tenter, ouais. J'attends mon VIP et ton invitation à ton mariage. Ah ça! On va inviter tous les viewers au mariage, là. Let's go! Je vais vous inviter, là, ça y est. Comme ça, au moins, j'aurai tous mes viewers, là, qui seront au mariage. Mon témoin, ce sera Jim. Hop, nickel. Toute la communauté. Nickel, on est bien. Parfait. Impeccable. Merci, Koabo. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Ça m'avait manqué ce genre de stream où on peut parler pendant 3 heures avec toi. Ouais, bah c'est le but, hein, en vrai, c'est le but de cette série qu'on discute. Hein. C'est le plus important, je trouve. Hein. Les cours de soutien pendant les vacances sont horribles. Le prof de maths, il fait que la correction des exercices alors que je veux comprendre le cours pour réussir. Ah ouais, non, mais c'est trop chiant les profs qui font ça. Hein. C'est trop chiant la vie. C'est pour ça que j'aurais bien aimé être prof, tu vois. Pour aider les gens à comprendre et essayer d'être un bon prof. Si j'avais été prof et que je faisais des streams, j'aurais pu vous aider sur certaines matières, tu vois. Mais bon. Malheureusement, je suis un peu con. Je suis pas parti sur ça. Aucune chance que je montre mon visage aux gens d'internet. Tu sais pas ce qu'ils peuvent faire avec les gens, c'est des malades mentaux. Ah oui, c'est clair. Hein. C'est clair. Hein. Mais t'as bien raison, hein. Préservez votre anonymat sur internet. Si vous le pouvez, préservez votre identité. Cachez-vous. Enfin, pas cachez-vous, mais voilà, évitez au maximum de révéler des infos sur vous. Moi, je suis obligé parce que c'est mon métier, mais si vous avez moyen de ne pas le faire, faites-le. Et encore, il y a des streamers qui montrent pas leur visage, mais bon, c'est compliqué. Après, quand t'es une femme notamment, je vous conseille vraiment d'y aller à tâtons déjà parce que les gens sont encore plus des malades mentaux quand vous êtes quand vous êtes une femme sur internet. Et donc faites gaffe à ça quoi. Ouais, sortez couvert, c'est ça ouais. En gros, c'est l'idée ouais. J'ai combien de stacks de fer là? Combien m'en fallait? Je sais plus. Je me rappelle plus combien m'en fallait. J'arrive presque au bout, je pense, hein, honnêtement là. Merci pour ces euros. Je suis pas loin de finir. Hein. Il me manque vraiment pas beaucoup. On finit ça, comme ça on va placer notre petit beacon et on est parfait comme ça. Let's go, une shulker de fer, ça fait plaisir. Je te loue une limousine ou je te la fais louer demain. Ah ouais carrément. Ah ouais bah on va faire comme ça ouais. En vrai par contre ce qui doit être trop cool quand t'as de l'argent comme toi, c'est que du coup vraiment tu peux, en vrai tu peux faire plaisir à plein de gens et tout comme ça. Et c'est ça que je trouve trop bien. C'est pour ça que comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis trop content que ce soit des gens comme toi par exemple qui aient de l'argent. Parce que quand il y a des gens qui ont plein de thunes comme ça, bah vous, quand vous êtes généreux et que vous faites plaisir à plein de monde, bah c'est la meilleure façon de dépenser son argent, je trouve. Hop. Hop là. Calmos toi, casse-toi mon gars. Casse-toi en fait, dégage de là frère. Dégage de là fraté. Ah bon, y'a plus rien les gars. En même temps je suis descendu un peu bas. Je pense que je vais remonter, on va remonter à la couche 16. Tu as vidéo, la vidéo du plateau Minecraft où il parle de la descente aux enfers de Gep, c'est triste. Hein. Ouais, mais je suis pas d'accord avec sur plein de choses. Ouais, je suis d'accord que Gep effectivement il a sombré sur des trucs. Mais en fait les raisons sont compréhensibles. Et je pense qu'on peut pas le comprendre avant d'être à sa place. Sauf que, en vrai, je le comprends un petit peu. C'est-à-dire que je suis pas à sa place, mais j'arrive à le comprendre un petit peu.
Et oui, je sais que Gap a eu une période qui est un peu compliquée en ce moment, et je le sais, et que ouais, il a des fois des comportements, enfin un comportement qui un peu laisse à désirer, où il explose et tout. C'est des comportements qui sont pas acceptables, évidemment, comme l'autre jour il a pété un plomb sur plein de choses. Et des fois, voilà, il faut qu'il se calme. Mais en fait, je le comprends, et ça reste humain, faut bien se rappeler que c'est quelqu'un qui est humain quand même, et que c'est pas un robot, et que des fois il y a une pression qui est dure à gérer quand tu fais ce métier, etc., même autre chose. Et voilà, et moi je trouve que ce qui montre aussi Gap, c'est qu'il pète un peu un plomb, mais c'est aussi quelqu'un de très humain, et qu'il faut aussi le comprendre comme ça. Et que je suis sûr que voilà, il passe une période difficile au niveau des lives et des vidéos parce qu'effectivement sa chaîne est un peu dans le mal en ce moment, donc c'est aussi pour ça que ça l'affecte énormément, et je pense que si j'étais à sa place je serais un peu comme lui. Donc voilà. Il y a quelques heures, Magla a tweeté sa colère parce qu'elle a eu le culot de se mettre en débardeur sur son stream alors qu'elle est H24 en suite et il y a eu des coms de fou malade, les gens dégénérés et tout, trop triste. C'est pas la première fois que je dis des trucs comme ça. Souvent sur Twitch, quand t'as justement des streameuses qui par exemple s'en vont dans leur pièce pour faire un truc dans la pièce, je sais pas, dans leur décor, il y a eu des grands malades qui prenaient des screenshots et qui les postaient sur des réseaux parce que elle était de dos, quoi. Et il y a plein de chiens, quoi. Il y a plein de chiens sur internet, hein. Et d'ailleurs, c'est une des raisons de pourquoi Lo ne montre pas son visage, d'ailleurs. Alors qu'elle stream. Parce que justement, elle a peur de ça, en fait. Et c'est normal. Enfin, pas tout le monde a la possibilité de tanker ce genre de choses, en fait. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas tout le monde a la possibilité de faire ça. Ma femme, mes enfants et ma mère ou mes sœurs profitent. La dernière fois on est allé en Australie en vacances. Ah bah oui, bah t'as raison, hein. Bah carrément, hein. Fais profiter toute ta famille, t'as raison, hein. Franchement Dan, franchement j'aimerais trop faire de même. C'est pour ça que je veux essayer d'avoir un maximum d'argent de côté, parce que c'est vraiment exactement ce que j'aimerais faire. Tu vois, c'est mon modèle de vie, c'est ce que tu vis, en fait. En gros. Enfin bref. Vraiment des merdes ces gens là, mais totalement. Et donc voilà, ouais, c'est pas tout le monde peut tanker ce genre de choses, et puis même c'est horrible. Moi j'ai lu en plus il y a pas longtemps, pareil, il y a une autre streameuse qui a eu un problème sur Montpellier un soir, et elle me dit c'est horrible. Quand je vois déjà les gens sur le chat de l'eau alors qu'elle ne montre pas son visage, purée. Mais même, rien que dis-toi, l'autre jour on était allé faire un... Enfin c'est pas l'autre jour, mais c'était il y a quelques mois, pour vous dire, on avait fait une expérience sociale. Même rien qu'on était allé jouer à un jeu, c'était moi qui jouais, tu vois, et c'était l'eau qui parlait. Et les mecs... juste étaient des malades mentaux en vocal. Genre les Français, ils étaient des fous. Alors pourtant, ils avaient genre 17-18 ans, tu vois. Et ils se prenaient pour des... Enfin, vraiment, c'est n'importe quoi ce qu'ils disaient, hein, en vocal. Hein. Franchement, je t'adore de me démuter et de dire, mais vous êtes des gros fils de pute, quoi. Genre vraiment, tu vois. Mais vraiment, j'en avais rien à foutre, quoi, de leur dire leur truc. Vraiment. Même les insulter, etc. Mais franchement, c'est mérité, quoi. Pour des gens comme ça, qui ont aucun respect pour les autres, c'est absolument mérité, en fait. Hop, merde. C'est pas ça que je voulais faire. Gap passe une période difficile comme beaucoup de streamers sur des moments, et il y a une vidéo YouTube qui est sortie sur lui un peu en mode trash. Le problème c'est qu'ils dénigrent plus qu'ils essaient de comprendre. Et même si j'ai eu des différends avec Gap, c'est une personne que j'apprécie énormément. Oui, bah moi je suis d'accord avec toi, j'ai eu des différends aussi avec Gap sur certaines choses aussi. Sauf que c'est peut-être la personne que j'arrive le... Enfin pas que je comprends le plus, mais c'est quelqu'un que j'arrive assez bien à comprendre. Et c'est pas quelqu'un que je vois comme quelqu'un de méchant ou quoi, comme certains le voient, ils aiment bien dénigrer, etc. C'est en fait c'est ça le problème, c'est que sur internet c'est que t'as pas trop le droit à l'erreur. Dès que tu fais une petite erreur, les gens ils sont là à faire des émissions en plateau pour te dénigrer et juste te rabaisser encore plus, tu vois. Bon après je dis ça comme ça, mais faut essayer de comprendre un petit peu la raison du pourquoi, tu vois. Et moi je suis sûr que Gap il va remonter la pente. En ce moment c'est un peu compliqué parce que 2022 ça a été très dur pour lui au niveau des vidéos et tout. Sa chaîne elle est en chute libre, tu vois. Je me demande ses limites, s'il arrive à en vivre, tu vois. Et c'est normal en fait quand tu sais pas quoi faire de ta vie déjà, que Gap il a pas fait d'études vu qu'il faisait déjà les streams, etc. Voilà, faut vous dire qu'en gros lui c'est un peu le stream, même les vidéos, c'est un truc, il a besoin de ça pour vivre en ce moment, tu vois. Donc forcément vu que c'est compliqué et qu'à mon avis il a tenté plein de choses, etc., et que ça marche pas, oui il doit péter un plomb. Donc faut pas trop lui en vouloir. Honnêtement c'est... Faut des fois voilà, faut lui dire quand il fait de la merde. Moi franchement l'autre jour il a fait de la merde et je lui ai dit, tu vois. Mais il l'a compris et s'il arrive à se remettre en question, je suis sûr que voilà il va s'améliorer. Et puis voilà quoi, c'est au bout d'un moment chacun, on a aussi le droit à des deuxièmes chances, etc. On n'est pas tous parfaits, on est tous des humains et l'important c'est juste de comprendre nos erreurs et de réussir à ne plus les faire dans le futur. Donc moi je suis sûr qu'il va remonter la pente. Gap, l'année prochaine ce sera son année, je le sais, et puis je lui ai déjà dit... De toute façon j'ai toujours été là à chaque fois pour le motiver. Quand il sortit une vidéo qui marchait plutôt bien, j'allais lui dire, je disais tu vois regarde, lâche pas. Donc voilà, il a fait quoi Gap, il avait lâché des dingueries en live, notamment pendant la cité des vestiges, il avait dit des trucs de fou en stream sur des viewers et tout, donc voilà. Mais voilà. Bon enfin bref hein. Mais va sur son live Shina. Va sur son live hein. Il est en live souvent Gap hein, si tu veux l'aider financièrement, lui faire des dons etc. Va sur son stream mec hein. Vraiment hein. Il stream tous les jours, quasiment. Bah, sur son live, hein. Tu pourras l'aider financièrement si tu veux. Même des trucs, tu vois. Genre quoi, j'ai pas compris. Bah, je vais pas le dire en stream parce que c'est des trucs un peu...
pas trop dire quoi, tu vois, c'est des trucs, enfin c'est pas des trucs faut pas trop dire, c'est des trucs faut absolument pas dire, enfin c'est ça se fait pas de dire ce qu'il a dit du tout quoi. En gros c'est, il a souhaité des choses pas bien à des gens quoi, en gros. À l'époque. Mais maintenant il a compris son erreur, il s'est excusé et tout, tu vois, c'est qu'il a pété un plomb ce jour là quoi. Il a disjoncté quoi, tu vois. Enfin bref. Je suis banni de son live définitivement. Oh non! Tu veux que je lui fasse passer un message? De ta part. Je lui envoie sur Discord, je lui fais passer un message pour qu'il t'unban si tu veux. Ah en soi c'était ban, ouais c'est... Ouais ouais ouais. Pourquoi t'as été ban hein? Pourquoi t'as été ban de son live? Ah parce que sûrement tu lui as reproché peut-être des trucs qu'il a mal compris ou un truc comme ça tu vois. Mais bon. Attends, les personnes s'en foutent, ma femme s'est fait insulter car elle est mariée et 3 enfants. Ah bah oui oui non mais ça c'est clair Doudouchin. Mais plein de merde dans la vie. C'est pour ça que moi j'aime bien essayer de faire mes lives et être toujours positif parce que dans la vie de tous les jours, il y a plein de négatifs de partout. Il y a plein de gens qui sont fous complètement. Et en fait, j'ai envie que quand vous veniez sur mes lives ou même sur mes vidéos, etc., bah, vous pensiez un peu à autre chose et que vous oubliez un petit peu des fois ce monde à côté, tu vois. Pour les streamers qui veulent pas montrer leur visage, il y a une bonne alternative. Bon, je suis un setup, mais c'est worse. Hein. C'est comme les VTubers un peu en mode rig. Ouais. Le problème c'est que oui et non. Dans le sens où en général, bah, les gens en fait, quand ils viennent sur les lives, ils ont tellement l'habitude de voir des visages. Que c'est ça qu'ils veulent voir, tu vois. C'est ça le problème. Et du coup, un live qui a pas la tête ou qui a pas les réactions de la personne marchera toujours moins bien qu'un live où il y a le visage d'une personne. Enfin, sauf si vraiment, tu vois, sauf si... Enfin, je sais pas, en vrai, il y a des streamers qui pourraient faire des lives comme ça sans montrer leur visage, etc. Mais ils ont déjà... Tout le monde connaît déjà leur visage, tu vois ce que je veux dire. En vrai, je crois qu'il y a quoi comme vidéaste aujourd'hui qui est connu, qui a des millions d'abonnés, qu'on connaît pas son visage. C'est impossible. Y'a Ninjax, mais Ninjax est sur YouTube et il fait ouais. Ninjax sur Minecraft. Koro Bizarre, ouais. Ouais, Monsieur B-Boy 45, ouais. B-Boy après aujourd'hui, c'est plus les chiffres qu'à l'époque. C'est plus les mêmes chiffres qu'à l'époque. Tu vois, c'est pour ça, pareil, regardez B-Boy Ninjax, tu vois, s'ils font des lives sur Twitch, ils vont pas faire des stats de fou furieux, tu vois. Matox, on connaît son visage, hein, Matou, hein. Matou, on connaît son visage, on l'a vu plusieurs fois, Matou, hein. Mais oui, Matox, y'a pas si longtemps, ouais, c'est ça. C'est vrai. Mais après, Matox, lui, il a un autre talent, c'est que Matox, il arrive à mettre l'ambiance juste avec sa voix. Ah non, mais je me crois au niveau des subs, mais je parle au niveau des... de, comment dire, du fait que la communauté s'agrandisse ou pas, Delta Fox, tu vois. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que forcément, B-Boy, il a une communauté, ça fait 10 ans, il est là. Donc c'est facile pour... Enfin, c'est pas facile, mais en gros, t'as une communauté qui continuera de suivre, etc. C'est sûr. Mais par contre, des nouvelles personnes qui découvrent et qui s'intéressent à la communauté de B-Boy, ça va être compliqué, tu vois, maintenant. C'est la nouvelle communauté, je parle. On parlait des swats et j'ai été franc sur le fait que pour moi Sardoche est un youtubeur qui s'est fait swatter pour des raisons dues à son racisme et autres. Après c'est ton avis hein, c'est tout hein. Ah oui t'as ban def pour ça, ouais j'avoue c'est violent quand même. Après t'as le droit d'avoir ton avis hein. Mais bon. Après oui je pense, oui je suis d'accord sur le fait que Sardoche à mon avis s'il a pris des dingueries c'est des gens qui aiment pas sa personnalité. Hein. Les gens vont pas te swatter comme ça de manière random, sinon pourquoi toi et pas un autre tu vois. Sûr qu'il y a un truc à des plus, ça c'est sûr. Hein. Il sort plus de vidéos, Matox. Non, Matox, il a plus trop envie de faire du montage en ce moment, il fait beaucoup de vidéos donc voilà. C'est toi qui m'as trop donné envie de live ces derniers mois, mais tout est en préparation, j'ai déjà mon setup, il reste plus qu'à attendre des travaux chez moi, ce qui finit, c'est je stream, je veux trop te ressembler. C'est gentil Kelly, mais t'inquiète. Hein. Tu verras, tu vas vouloir essayer de me ressembler, tu vas réussir à te faire ton propre truc à toi, et c'est ça qui va te rendre heureuse, tu verras. Vraiment. Hein. Oui, et puis Matox, c'est pareil, on parle de quelqu'un qui stack. Non, Matox, il a des. Tu vois, c'est chaud hein, de. En fait, c'est chaud de gagner une nouvelle communauté. Sans montrer son visage. Et c'est la vérité, regardez tous les youtubeurs que vous m'avez cités, même Koro Bizarre aujourd'hui, maintenant c'est... Enfin, il fait plus trop de contenu, je crois, Koro Bizarre. Hein. Sa communauté, c'est une communauté qui le suit depuis quelques temps, et Matou, c'est pareil, tu vois. Il n'y a pas trop de nouvelles personnes qui découvrent, en fait. Que les gens sont tellement habitués maintenant sur Twitch et YouTube à avoir des émissions ou des vidéos format plateau, format bien travaillé, etc. Que maintenant, bah, c'est compliqué, tu vois. Je viens de regarder le Smile, le film Smile, c'était fort. Oh putain, moi, je peux pas le regarder. Je peux pas regarder ce film. J'ai vu passer le truc, je ne peux pas regarder ce film, c'est impossible.